quoi ça ressemble. Donc ici on a une zone de décharge de poubelles qui est brûlée, d'accord, et c'est resté comme ça. Bon, personne ne ramasse hein, bien sûr hein. Ici j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie du tout, ils n'ont pas envie. Alors désolé hein, parce que y a eu une petite coupure de. On a été coupé sur le live. Allez, n'hésitez pas à partager toujours les amis. Ici on va. Chemin.
les déchets. Alors, c'est quoi ici, là? Quoi cette zone-là? C'est quoi ce bordel ici, là? Toujours le même tarif. C'est quoi ces zones? Et les gens, ils viennent en profiter pour jeter leur merde. C'est ça qui est, en fait... Pourquoi les gens, ils font ça, là? Pourquoi ils sont habitués à faire des choses comme ça, là? C'est pas un endroit de déstockage. Enfin, un endroit de dépôt plutôt, sauvage. Un endroit de dépôt. Pourquoi je dis déstockage? Les gens, ils viennent déposer n'importe comment, là. Voilà, c'est devenu la zone de poubelle de certaines personnes, ici, là. Parce que, bon, il n'y a personne qui s'en occupe. Mais voilà, hein. C'est plus facile de jeter. Facile de jeter comme ça, c'est parfait, hein. Donc ici on a la route qui mène au bout. Je vais contourner parce que il y a ouais, je vais passer par ici, je vais continuer là. Pourquoi les gens ils ont besoin de jeter n'importe où? C'est ça que je comprends pas. Pas possible ça. Ouais, même si cette école n'est plus en activité, il n'y a pas de raison que les gens ils viennent jeter leurs trucs dedans. C'est pas possible. Réfléchissons un petit peu. Est-ce que c'est logique ça? C'est pas logique, c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Thank you.
Ici, c'est les habitations. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y a pas de chemin, là. Je sais pas, on peut tenter, hein. Je sais pas si... One day one.
assez grand là. C'est grand et difficile à quadriller. On va monter juste un petit peu en haut là. Après, on refait demi-tour pour s'enfoncer dans le centre-ville. C'est énorme ce village. Allez, on revient sur nos pas là. Il y a des dames à poil, donc on va pas passer par là. C'est vraiment dur à quadriller ce village de Ouangani là.
Allez, on va vers la grande mosquée. Grande mosquée Ouangani. Je crois que c'est la grande mosquée, hein, parce qu'elle est imposante. Allez, partagez les amis, partagez le live. Alors ici, on arrive sur ce carrefour-là. C'est une belle mosquée ici. Waouh! Catureira, muito no catureira. Alors, on va juste prendre cette portion-là jusqu'au virage. GG, maman. GG, Azira. Salut. GG, Azira. On a Bamzungwas Dwasima. Bamzungwas Dwasima qui a souru moi. On a comme si pitié, on a qui a. Ici, c'est tout le monde qui lave à la rivière. Je vais pas descendre. Ça va. Alors, on va prendre la petite portion de route. On a la route qui monte jusqu'en haut. Est-ce qu'ici, il y a du monde? Personne, c'est la rivière.
une carcasse de voiture là. Alors, la belle mosquée, je ne sais pas si c'est la mosquée de vendredi, celle-ci. On va poser la question, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est belle, vous avez vu d'ici l'image. Cette mosquée, elle est vraiment magnifique. Un très beau minaret. On va prendre la petite portion ici. Voilà, on ne monte pas parce que je vais vraiment rester focus sur le centre là. Parce que c'est difficile à quadriller là. Ça va dans tous les sens. Ah, Daïra à Ouangani, mais à quel endroit le Daïra? Ça sera où? À quelle zone? À la mosquée ou... Les déchets. Les déchets. Tina, tu as joué un goût. T'es sûr qu'il n'y avait pas un accident devant les gens qui faisaient les travaux pour l'embouteillage? Non, il y avait un... vraiment quelqu'un qui discutait ou il y avait... Non, au début, il y avait quelqu'un qui discutait. Oui. Mais après, je crois, à un moment donné, l'accident a eu lieu avec le camion. Ah, ouais. Parce que je vois que tu disais le truc, toi. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas encore... C'était en train de se passer, justement. Ah. Mais des gens, c'était une personne qui était en train de discuter. Depuis l'hôpital. Ouais. Et après, le véhicule commençait à s'entasser et puis j'ai vu le foutoir. Et après, l'accident s'est produit au même moment en fait. Parce que, quand on a les alertes par rapport à l'accident. Ouais. J'ai regardé, j'ai dit, mais si, il y avait l'accident. Toi, je suis de Sada, mais je disais, ouais. Ça me paraissait bizarre que. En plus, mais ça faisait tout l'hôpital, je vous garde fou. Ouais. Puis ça s'est dit, non, c'est pas possible que. Oui. Ok. Merci. Alors, il y a un Daïra, mais c'est à quelle heure le Daïra là? Il y a des gens de Mtamboro, il va y avoir un grand Daïra ici là. Mais il faut que je demande. Il faut que je demande à quelle heure ça va. Parce que je vois des gens de Mtamboro aussi ici. Je demande, il est midi. Je sais pas quelle heure.
Exactement. Et Ouangani, c'est énorme. Énorme, Ouangani. C'est grand. Quand je suis en immersion comme ça, j'évite de trop parler parce que les gens attendent. Donc ici, on a une vue 360 ici. Ah, j'ai trouvé le lieu du Daïra. C'est ici. Donc il y a vraiment du Daïra ici. Hein? Bon, je vais me renseigner à quelle heure c'est le Daïra. Peut-être je vous donnerai en live le Daïra. C'est pas peut-être. Si c'est pas trop tard, je vais filmer. Je vais filmer. Ce soir, il y aura du Daïra sur la page. Bien vu les amis, pour ceux qui m'ont souligné qu'il y avait un Daïra ici. Ah ben, ceux qui aiment le Daïra, ce soir vous serez servis. Je vais demander à quelle heure c'est là. Hey, Daïra, elle est là. Ah bon? Bon, hey, le Daïra là, il va être dans pas longtemps en fait. C'est en pleine journée le Daïra, généralement c'est le soir. C'est quoi cette route là? Ouais, cet après-midi j'ai vu ça, ouais. Mais c'est quoi cette route là en fait? Les amis, expliquez-moi, c'est quoi cette route là, Ouangani là? C'est une route ou c'est quoi? Je me pose la question là. C'est quoi ça? Hein? Je comprends pas cette route. Je vois. J'ai pas compris là en fait. J'ai pris ici. Mais là, c'est un gros point noir, ça. Hein? C'est un gros point noir ici, cette route. Bon, on va monter un petit peu plus haut. Bon, restez pour le Daïra, les amis. Je vais capturer le Daïra tout à l'heure. Je reste dans les parages. C'est quoi? C'est pas une route, c'est pas possible. Les amis, c'est pas une route, ça. Jamais. Mais c'est quoi ce délire? Non, mais sérieux? Non, mais c'est du foutage de gueule, là. C'est quoi, ça? Je vais aller voir jusqu'en haut. Je suis curieux, là. C'est quoi ce délire ici là? Oh putain! Mais c'est pas une route, les amis! Ça ressemble même pas à une route! Oh punaise! Ah, il va pleuvoir.
Les amis, je suis choqué par les... Je suis choqué par cette route-là, là. Vous avez vu le délire? Non, mais c'est... Non, mais sérieux. Ça va? Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de déchets ici. Trop d'accumulation de déchets. Trop. C'est trop les amis là. C'est trop. Trop. Quand je vous dis c'est trop, mais trop. C'est pas la seule endroit qui est comme ça, à qui on a posé... Regardez-moi tout ça! Non mais sérieux? Non! C'est pas possible! C'est pas possible! Y'a Jib. Ouais. Alors. Oh punaise, il commence à pleuvoir. Je vais descendre vers des lieux où je peux m'abriter là. Hé, y'a Nanguiz. Un agneau. Mon frère, ouais, mais t'es scar, non? Les amis, regardez ce désastre. C'est pas le premier. Ça fait presque le troisième là que c'est comme ça en fait. Le troisième. Donc là, c'est une accumulation des. Il y a beaucoup de déchets, bravo pour l'environnement. Hey, Indrangoulin qui a ramassé vers moi, la mairie. Wow, je suis tous, Rangoualé. Non. Oui. Oh, bah quoi, non. On y en a pas moins à soif. Ah ouais? Oui! Aïe aïe aïe! Madame, qu'est-ce qu'elle est? Tu vas me l'avaler déchets zoo cavaler ta zoo débord des zones y'a pas rien tiens. Mais dans mon nom, on a valé plus on va observer à cap stenanze. Accumulation y'a une soif. Aïe. Bon, j'ai rien dit. Vous avez vu la communauté. Vous avez vu hein, par vous-même. Et le pire constat est ici sur cette route là. Ce n'est pas que le pire constat. Ce n'est pas que le pur constat. Alors prenez bien le temps de bien regarder. De bien regarder. Moi j'ai rien dit. Oh punaise. On prend bien le temps de bien décortiquer le trou. Oh putain. Regardez mes jambes là où je suis.
bakom plaskia shaulen adzi bakom kaspara jevan bakom shaulen adzi bakom aïe. Ah, voilà la fameuse route. La route de l'extrême, c'est une petite passerelle. Hein. Va chercher monsieur le maire et tu lui poses la question. Ah, je sais pas, il doit peut-être être dans le parage. Hein. Je pense qu'il est dans les parages. Salam alaikum. Ah, le daïra va commencer et j'ai pas amené. Il faut que j'aille chercher une. Hey, là va on a tenu oui. Namta shuma wa shangya. Là, on a choisi, oui. Bon, c'est quoi cette zone aussi là? Collection de voitures. Bon, le collectionneur, il est fort ici. Déjà, ça déborde, ça prend la route. En gros, en fait, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, hein. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Oh putain. Non mais non, dis pas ça. Vous avez vu? Moi j'invente rien. Hein. Moi je n'invente rien là. Salam alaikum. Ça va? Yoga, wanyum na mnai deira mnas deira hunu muna nas tini bale. Salut. Ça va? Oui. Muna na tini sona balo. Eh, loba dilu hunu. Ouais, c'est en fait ici, nous aurons les déchets domestiques jeudi, mardi. Dimanche, de Marzile, aucune période. Il y a nos vingt garzangina. J'ai ramassé, mais c'est pas tous les jours. Le frigo. Eh, bah c'est toujours zanyingi. Zanyingi, ça fait un bout de temps, Kazarin, quoi. Ah, il faut vraiment qu'il passe vraiment très régulièrement là pour enlever tout ce qu'il y a parce qu'il y a trop. Là en haut, là-bas, il y a trop. Hein. Si, il y a trop. Je sais que c'est assez difficile parce que les gens y jettent, mais il faut quand même faire des efforts là. Il faut qu'ils fassent des efforts. Bon, ça n'a filmé derrière. Allez, tu vas voir où est-ce qu'on commence, mais tu joues à des ratings. Nous n'avons pas couru malgré nos erreurs. On a fait son appareil, il a pas su aujourd'hui. Tu verras aujourd'hui. Non, mais devant. Ah, tu verras aujourd'hui. Tu verras aujourd'hui après tu verras quand on rentre. Merci d'être venu chez nous. Oui. Bon, merci. Merci à ceux qui me souhaite la bienvenue ici. J'espère que ce live va faire réagir certaines personnes pour pouvoir prendre soin de ce village.
Ah, c'est très grand, Wangani. Alors, je vais aller... Mais non, mais qu'est-ce que je dis, là? J'ai mon équipement dedans. J'ai mon équipement dedans, donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout d'abord. J'ai ce qu'il faut pour filmer le Daïra. J'ai moi après mon Daïra Otongo. Moi après, n'en partage live. N'en partage Otongo. C'est moi comme. On partage. Non, on doit s'en rappeler. Ça. On partage les livres, on partage la. On a moins bémé, on a été là, on a été là, on a été là, on a été là, alors, là, une mosquée là. Ah, ok, j'étais passé par ici. Donc, je fais la boucle. Je fais la boucle, je vois où je suis. Je dois aller vers la droite. Je vais prendre ici à droite. Non, les déchets, ça reste des déchets. Les non recyclables et recyclables. Donc, tous les déchets doivent être traités, ramassés. Il ne faut pas les laisser accumuler parce que ça pollue, ça prend de la place. Donc, c'est un gros problème, ça. Ça va comme ça. Donc, c'est un gros problème, les amis. Je vous le garantis que moi je veux que le bien de Mayotte, la propreté, le bon fonctionnement, que tout le monde puisse trouver sa place, son bonheur. Et ce que je viens de voir là, ça m'a brisé le cœur un peu. Ça m'a brisé le cœur. Moi, quand je viens dans les villages, ce que je montre, ce que je dis, c'est pas pour blâmer, mais pour montrer que il y a des endroits qui sont un petit peu oubliés, il y a des choses qui sont un petit peu oubliées à faire. Il faut les faire urgentement. Il y a des choses, c'est urgent, il y a des choses, c'est pas urgent. Donc, il faut se réveiller un petit peu pour bosser, quoi, pour booster les mecs à bosser, à faire le travail correctement, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Même au terrain de foot, même au plateau, le plateau c'est ça, l'accueil du plateau c'est ça. Et, ouais, bravo, hein, l'accueil du plateau, voilà, vous êtes en train de le voir, c'est ça, il y en a partout. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ?
devenu un parking ou quoi? Ah, ils sont en train de fabriquer un portail là-bas. C'est bien. Bon, le retraçage quand même à faire. Le retraçage et le bitume ici à refaire. Hein. Ça, c'est à refaire. C'est bien de mettre des portails là. C'est bien de mettre des portails, mais ça déjà, il faut faire enlever déjà. Les gens qui font ça. C'est les villageois qui font ça. Hein. Les villageois, vous n'êtes pas gentils. Hein. C'est... Après, déposer n'importe comment, c'est pas propre. C'est pas récupéré rapidement. Il y a plusieurs points. On dépose, ça s'accumule. C'est pas récupéré rapidement. Eh bien, le résultat, c'est ça. Mais c'est avec ça qu'on a la pollution des eaux, les contaminations des eaux. Il y a beaucoup de choses qui est liées à ça. Bon les amis, je vais aller filmer le Daïra tout à l'heure. Donc je vais aller voir parce que je vois que ça s'est regroupé.
c'est quoi qu'on a ici? Une école. Voilà. C'est le... Il est où le petit là? Il s'est barré. Hey! Hein? Wahiro Asharenge! Nabje! Voilà, Torosso. Oh non, on va boire ça, Nabje. Ah, donc c'est la mairie alors. La mairie, ça a de la gueule, hein? Ça a de la gueule. Hey! Hein? Quoi? Quoi? Asriata? Quoi? Nabdougamane, mouche? Avia? Asfikil? Asfikil? Quoi? Sidi Chavan, qui est? Gaya? Sidi Chavan? Quoi? Je vais Galati, Ivan, Asriata, Asri Roya. Donc, ça c'est la mairie. Ça c'est la mairie. Ça a de la gueule, hein. Bon, à part ça, regardez, rien. C'est bon? Hein? Ok. Bon, ça sert à rien de retaper la mairie. Hein. Il faut plutôt aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est mieux. Bon, les amis, on a bouclé le live. On va passer sur le live du Daïra, d'accord? J'ai fait le tour, on va dire sommairement, hein, rapidement. Donc on se retrouve sur le Daïra tout à l'heure. Restez connectés, d'accord? Je vais vous donner le live Daïra pour ceux qui sont intéressés. On se dit à tout à l'heure, d'accord?